Hey, salut tout le monde, Yassine ici, le LP en compagnie de P. Ben, il s'est passé quelque chose, c'est que, au niveau de Tomcraft, parce qu'on va pas faire du Tomcraft aujourd'hui, j'ai débloqué déjà l'ombre, le Crimson Heart, que culte plutôt, donc la magie noire. Dans Thaumaturgie, j'ai tout fait, normalement, oui, j'ai débloqué les focus, débloqué toutes les baguettes. Même les recherches interdites aux F. Ceci, j'ai fait également. Hein, j'ai mis tout ceci. En fait, j'ai vraiment tout fait, avec, ainsi que les savons purifiants pour éviter de me faire cramer trop la tronche. Toutes les recherches, même interdites, j'ai tout fait. Donc j'ai bouffé tous les aspects. Et je me suis fait la fameuse. Celle-ci, la Forest Curlast, que j'ai là, que j'ai enchanté bien sûr avec tout ce qu'il faut bien. Par là même, les golems, je les ai pas tous débloqués parce que je ne vois pas encore actuellement l'utilité principale de ceci. Au niveau Eldritch, j'ai deux quêtes à débloquer, mais j'ai débloqué la magie noire. Donc c'est pour ça qu'on fait du Void Metal. Avec une baguette qui est celle-ci qu'on peut faire avec une autre chose, sauf que j'arrive pas à trouver la baguette spéciale pour pouvoir crafter la version au-dessus. Ah, vous voyez, là j'ai du Tomafia. Dire que normalement je suis en train de chier au sol d'un aspect violet. Là actuellement ça ne le fait pas. Mais normalement des fois ça me le fait. Ici, bah, j'ai débloqué ça. Hein, c'est juste des crowbars. C'est tout. Hein, rien de plus fatidique. J'ai tout débloqué, toutes les recherches. Tout de Atomic Tinker avec les recherches interdites que j'ai débloquées, les recherches avec la table d'enchant. Donc j'ai tout débloqué et normalement, à un moment ou un autre, ça va me débloquer ici la dimension de charme qui permettra d'accéder à toute l'armure de Camille. Donc c'est pour ça que je me suis vite grouillé pour tout faire, mais actuellement en fait elle se débloque pas. J'ai ici aussi Tomic Machina que j'ai débloqué, hein, donc directement j'ai débloqué. Énergie, il me manque juste la gear en tomium, parce que c'est la seule qui restera. Donc tout ça c'est fait. Et Tomic Essentia, j'ai tout débloqué. Hein, naturellement, j'ai vraiment tout débloqué pour maximiser au mieux ma recherche envers Camille. Et OB, bah, je l'ai fait aussi. Donc voilà. Au niveau de Tomcraft, c'est ça, c'est que c'est actuellement en attente pour aller dans le monde obscur et en même temps pouvoir faire la fameuse recherche Camille. Mais ceci dit, une fois que j'ai fait ça, je me suis fait aussi des allumettes. Des allumettes. Oui, bah oui, j'ai fait des allumettes. Bah oui. J'ai fait des amulettes. Voilà. Afin de me protéger comme sur FTP 4. Oui, c'est ça. Ma ceinture qui me permet d'avoir 9 points d'armure en plus. Plus 4. Plus 4. Plus 7, donc ça veut dire que je suis assez pété. Et en même temps, l'avantage c'est quand on me touche avec un fort dégât, j'explose en faisant pas de trou au sol naturellement, mais j'explose en ayant Regen 2 et en même temps que je puisse avoir Strength, Vitesse, etc. Alors je reprends l'armure là parce que je la trouve tellement pété que je l'aime bien. Du coup, ça, bah, tout a pas changé, donc tout est correctement bien fait. J'ai fait tous les crafts un petit peu de tout actuellement ici. Essentia, grâce à ça, l'Essentia Provider, ça me permet justement d'obtenir par exemple ceci. Hop, à partir d'os, en fait, je peux créer de la bonne nymphe via juste un Imperditio. Et en même temps, je me suis fait un petit peu de Void Seed, donc c'est que du Seed ça. Ça c'est très très bien avec des Ambiofire, hein, donc c'est juste en faisant clic droit. Oh là là, c'est tout beau. C'est juste ça. Hein. C'est tout beau en fait. Hein. Il y a rien d'autre. Voilà. Et quand on le pète, c'est bon. Et quand on le remet, il n'y a plus rien. Voilà. Je me suis retrouvé une vraie node, une lave. En fait, cette node-là était juste à côté et je l'avais pas vue. Il y avait beaucoup de machina dedans, donc c'est le rouage qu'on peut voir. Et quand je l'ai mis en version no transuder, ça a permis de faire cette node-là infinie avec tous les aspects qu'il y a dessus. Voilà, et puis du coup, bah, via les... Ceci, ça me recharge la baguette.
Via ceci, voilà, j'ai celle-ci, mais je veux en fait la principale baquette que je veux faire, c'est grâce à celle-ci et grâce à, je les retrouve plus, Charged Void, pouf, ça me demande 230 aspects de chaque pour pouvoir faire une autre baguette, mais je ne sais pas laquelle est au-dessus de la Tomion Silver Wand pour obtenir par exemple 300 aspects. J'arrive pas à avoir une baguette suffisante pour justement réussir à faire ce craft. Donc du coup, si vous avez des suggestions de ceux qui savent vraiment Tomcraft, afin de savoir quelle est la baguette qui peut me rendre ce genre d'aspect cohérent et du coup pratique et qui rentre dedans, surtout ça, c'est surtout ça qui je veux dire, c'est qu'elle rentre dedans, dites-le moi. Par la même occasion, normalement c'est à peu près tout. J'ai le pain là. J'ai la canne à sucre. Sugar cane, il faudrait que je fasse un truc. Mais je ne sais plus quoi. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu. On va commencer principalement les abeilles. Parce que oui, il faut bien commencer les abeilles un jour. Les abeilles avec tout le système de mutation qu'il y a. Mais je voudrais reprendre un petit peu. Comment Je reprendrai un petit peu tout ça. Alors, du coup, il me faut des natures, de la bonne mills et du diamant. Donc, on va faire ça directement dans le réseau là. Tac. La bonne mine, tac. Voilà, j'en ai 52, ça me suffit largement pour l'instant. Ça fait du flour. Que le flour là. Donc, ça fait 18 pains que tu fais cuire directement ici. Alors, nous a géré. J'ai enlevé. Comment? La fameuse torche. Torche Rhino. Parce que ça faisait pas mal laguer les serveurs. Donc, du coup, je l'ai complètement disable pour l'instant du serveur. Afin de justement le rendre plus stable. Voilà. Principalement. Donc, du coup. Torche Rhino, j'en ai plus. Blade, voilà, du pain. Le pain là que je fais pas comme ça, il faut que je le refasse cuire le pain là, afin que ça me donne des toasts. Voilà. Et voilà. Du coup, bah ça va se faire comme ça va me faire des toasts sandwich, ce qui est plutôt bien. Des toasts. Voilà, j'attends juste que ça craft ce qu'il faut. Voilà. Hop. Hop. Voilà, j'en ai 11. D'ailleurs, ça, je pourrais l'enlever. Et je pourrais même le garder, d'ailleurs. Tiens. Hop. Et allons dormir un peu. Bon, en plus, il pleut. Alors. Vous pouvez voir sur la map également que je commence à faire du botania avec Monsieur Ethans. Passons, on veut faire le botania. Donc du coup, on est en train d'en créer. Il me faut justement cette petite baguette. Voilà, elle est actuellement ici. Ah oui, mais non, mais celle-là, ça va là. Voilà, en plus elle est pleine, donc il faut que je la vide. Hop, et lui, bah du coup, ça va se remplir tranquillement. Ça, je ne sais pas ce que c'est le mana pylône. En fait, on dit que c'est des enchantes qui permettent de faire du level 30 avec. Donc, j'attends vos retours concernant ça. Et à mon avis, sur justement le LP avec Pierre, on va devoir faire des mana pylônes par la suite. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Alors, du coup, ceci, je vais la déplacer, hein, parce que c'est les fameuses, fameux dragons que je voudrais les enlever. Dragons, oui. Démons que je vais enlever. Donc, il va falloir que je protège justement cette node-là, que je la rende stable, plus ou moins. Mais, par la même occasion, je voudrais du coup faire mes abeilles un petit peu par ici. On est dans un biome en plus. Pleine, donc ça c'est plutôt bien, ça convient à toutes les abeilles. J'ai des slim, donc ici normalement si c'est chargé, il va y avoir plein de slim qui vont popper.
Et ça, c'est plutôt important parce que les slims, on en a pour. Donc c'est pour ça qu'on va en faire. J'ai également des essuales, donc ça va être super sympa. Surtout, c'est des abeilles qu'on peut trouver partout, mais c'est toujours mieux d'en avoir sous la main. Par contre, des meadows et des forests, j'en ai pas du tout. Et puis j'ai les plantes de Botania actuellement ici parce qu'on est en train de tout faire là. Ça, c'est un truc de Tom Grass qui permet de recharger le pétale apothécari qui permet de le recharger en eau constamment. Ça, c'est tout ce qui contient Botania. Mais bon, on va pas faire ça là actuellement. On va justement faire un petit peu de Agricraft parce qu'il va nous falloir du blé en masse. Alors, du coup. Ah. Ah. C'était pas prévu comme ça d'ailleurs. C'était pas prévu comme ça. C'était prévu que j'ai 2 graines. Voilà. Que je la mette à fond. Voilà. Et que ici, ça me fasse un croisement. Je voudrais bien en fait que ça plus ça me fasse un croisement directement. Pour avoir un gain supplémentaire sur la plante. Pareil pour la canne à sucre, je voudrais bien qu'elle repousse, mais j'ai plus la torche en fait. C'est ça qui est un peu chiant, j'ai plus la torche. Ça d'ailleurs, je vais l'enlever. Ça me sert absolument plus à rien. Ah bah j'ai ça, je suis con. Faudrait que du coup j'arrive à me faire ça plus ça. Afin de faire un croisement ici. Il va me falloir du coup de la terre, et cette terre-là, je ne peux que la retrouver bah, par exemple ici. Voilà, hop. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas des messages qui apparaissent. Hein. C'est tout à fait normal. Ah oui, il faut peut-être que je bêche. Donc, du coup, ça. Ah non, ça veut pas. Me dis pas qu'il faut une graine. Comment on obtient des graines de Agricraft? Agricraft. Des graines de sugar, c'est du seed et de la carotte seed. D'accord. Donc ça voudrait dire que ça plus. Pas ça parce que tu vas me pourrir le champ. Ça plus des carottes en fait. Donc ça voudrait dire que il me faut ici une carotte. Qu'on va mettre en seed. En seed ici. Voilà. Qu'on fait pousser tout ça et qu'on met un croisement ici. Donc ça veut dire que à partir de seed normal et ça sur du sable et non de la terre, c'est pour ça que ça ne voudra pas. Il me faut du sable. Sable, 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 cool. Tac. Hop, du sable, ça va me créer ma sugar cane que je pourrais modifier ensuite. Pour faire du cactus seed par la suite. Donc ça c'est plutôt un bon point. On va se mettre un petit peu au bio en fait. Un petit peu à tout ça. Et il me faut justement un agriff. Il me faut des seeds en fait. C'est des seeds n'importe lesquels. Un beau extend, un beau quink qui se trouve ici. Parfait. Il me faut des seeds. Ça c'est pas trop un problème. On a juste à foutre ça là-dedans et ça va nous faire des seeds. Voilà, j'en ai 4, parfait. On va aller du coup ici. On va mettre le bouquin au milieu. Ça doit être les seeds comme ça. Et les trucs autour. Ouais, parfait. On a ce qu'il faut. Voilà. Hop, hop. Allez, encore, encore. Non, c'est bon. Du coup, on plante. Bah, on plante, non. On fout ça là et on fout notre journal là. Comme ça va permettre de découvrir des seeds en particulier. Par la même occasion, celle-ci, je voudrais bien. Ouais, on va tous les faire découvrir. Voilà. Là, actuellement, c'est un gain de 1, de 1 et de 1. Et je voudrais que, justement qu'il y ait plus de possibilités de croisement. Donc, du coup, ça, je vais le laisser de mon côté. Ça, je vais le faire exclusivement pour eux. Donc, ça veut dire que lui devra faire un couplage entre lui et lui pour obtenir plus.
et un couplage entre lui et lui pour obtenir une nouvelle graine, par exemple le cactus seed. Voilà, c'est pour ça que je vais en avoir plusieurs par la suite. Donc j'attends que ça se fasse. Et également, moi je vais préparer un champ plus grand, plus loin. Donc du coup, je vais vous laisser temporairement là et on se retrouve juste après. Et re, du coup, alors il s'est passé quelques petites modifications. Là, j'ai toujours du carotte en griffe. Un groove plutôt un strength 1, donc strength c'est la résistance. Ici j'ai mis du coup le blé niveau 3, gain 2, groove 1. Et ici j'ai mis groove 2, gain 2, strength 4. Donc ça c'est en train de tranquillement me grader, hein, donc c'est pour ça que je fais des croisements. Et lui en fait, lui il a du mal à se faire, mais ça va venir petit à petit. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai découvert quand même pas mal de choses. Alors ici, c'est toujours des. Alors c'est des potes, c'est pas des carottes. Donc ça, je vais les mettre de côté. Ça ne pousse toujours pas ici, mais là-bas. Du coup, là-bas. Là. 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 Voilà. Ici, j'ai mis du coup des skeletons en version 1-1 pour l'instant. 1-1-1-1. Et ici, du coup, j'ai mis 1-2-2. Et ici, 2-1-2. Comme ça va faire un mélange entre les deux. Donc, bien sûr, quand ça va se faire. Mais actuellement, bah, au niveau de la canne à sucre, j'attends toujours que la canne à sucre se fasse son effet là-bas. Parce que j'ai besoin de faire le petit croisement. Donc du coup, je vais le faire ici. Je pense que je vais du coup ramener tout ce qu'il y a là-bas. Je vais le ramener ici afin qu'il puisse faire également son croisement là. Du fait que ça pourrait être très sympa de se le faire tout de suite. Du coup, je vais aller chercher ça. Ça sera quand même nettement mieux. Hop. Donc du coup, là-haut, je dois reprendre ceci. Voilà, j'ai repris ceci. Là, ah bah j'ai une nouvelle graine. C'est parfait. Donc celle-là, bah, je vais la scanner plus tard. Strength 2, ça je prends, ça je prends, ça je prends. J'ai tellement de graines d'un coup. Alors, unifiez, celle-là, il faut que je fasse le mélange. J'ai du sable là-bas, donc ça c'est parfait. Ça, je vais le mettre là. Ça fait du blé. Tac tac. Alors lui au centre, lui sur le côté, lui également sur le côté. Alors lui ça fait celle-là, ça plus ça, c'est toujours en attente. Ça doit faire des sites de canne à sucre. Pour l'instant ça n'en fait pas. Et du coup bah, je récupère ça pour être sûr. Hop. Du coup on va aller là-bas. On a pris tout ce qu'il nous fallait, de toute façon. Voilà. Ici, ça a toujours pas fait son récolté là non plus. Donc du coup, on avait besoin que ça fasse sur du sable. Donc sable, obligatoire. On va faire notre séparation ici. Voilà, tranquillement. 1, 2. Et comme là-dessus, on peut pas. C'est un croisement. On avait dit carotte. Donc, carotte et on avait dit blé puissant. Qu'on va mettre le blé numéro 4 ici. Qu'on fait pousser pour éviter tout problème avec ce qu'il faut. Donc ça c'est du crops numéro 4. Et du coup on va poser ça et ça. Hop. Voilà. Et on scanne. 2, 2, 4. Ah bah c'est parfait. Donc 2 et 2, 4. Du coup, ça voudrait dire que entre ça et ça doit faire canne à sucre. Et du coup, moi je vais faire entre ça et ça et ça. Donc hop, 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 hop. Donc hop, hop. Et on va machiner le tout. Donc 86, 57. Déjà ça. Groove 1, groove 2. Strength 1. Donc lui, il faudrait qu'il reste poussé tout le temps. Est-ce que j'ai une herbe ici? Non, j'ai une mauvaise herbe. Donc, on la détruit. Obligatoire. Sinon, ça va vous pourrir le champ, mais d'une vitesse incroyable. Du coup, j'ai une carotte. C'est cool. Ah, j'ai trouvé une nouvelle plante ici. Donc, je vais la scanner. Ça prend plus de temps. Hop, c'est une Strength 2.
Du coup, Saints Reigns 2, gain 1, gain 2, celle-là gain 1, elle est pas très bonne en fait. Le gain ici de 1-1, on va la mettre quand même ici, parce que c'est quand même une plante qu'il faut garder sous la main assez rapidement. Ici, nous avons de la merde. Donc, hop, on replante. Et ici, il va falloir refaire un petit peu de ce qu'on appelle de magical fertilizer. Donc, j'ai les essences sur moi. Les essences de ce truc-là. Tac, tac, tac. Hop. On en prend 60. On en prend 20. C'est cool. On va aller version Tomcraft en bas. Parce qu'on obtient 4 poudres à chaque fois. Hop, donc fais ton boulot toi. Voilà, et on continue par cela aussi. Alors on met ça de Fail the World, hein, c'est juste la note qui est en train de bouffer les mobs. Ça le faisait plus par un temps et puis ça le refait. Osef. Ah, nous avons beaucoup de bonnes mines, ça. C'est pas plus mal. Ah, cool. J'aime dire 64 watts, il y a un problème. Eh, vas-y. Donc ça veut dire qu'il faudra que je re... Ah bah non, ça va, j'en ai en stock. J'ai fait pas mal de... En fait, de pommes. Pas de notch, mais des pommes de... Pommes d'or. Et dedans, ça contient 4 ou 8. Donc à force, j'ai dû en faire un stack. Donc j'ai bouffé énormément d'or. Mais j'ai beaucoup de sano, du coup. Donc, Osef. Du coup, j'attends l'autre. Comme ça, je vais me savonner. Et ça va me faire du bien. J'attends l'autre. Voilà. Hop, j'ai mes savons. Alors, le savon là, ça nous permet justement de nous purifier des petits problèmes qu'on a avec justement le warp, le truc maléfique de Tomcraft. Donc, c'est pour ça que j'en ai sur moi. Alors, ah, nous avons ceci, nous avons cela. C'est plutôt bien. Hop, on va replanter ça. On va analyser la graine, ça fait du 2, 2, 4. Ici, 2, 2, 2, 4. Ici, 2, 2, hop, pas bon, on jette. Tac, tac. Ça, bon, on le fout dans l'eau, parce qu'on s'en fout un peu. On a la canne à sucre. On a une canne à sucre qui vient de popper. Donc j'espère que c'est une bonne. 1, 1, 2. 1, 1. Et du coup, il faudrait. Pourquoi j'ai mis du sable là? Sachant que j'ai pas besoin de sable. C'est du sable que j'ai besoin là. C'est de la terre. Donc, tac. On va mettre ça. On va mettre ça. Tac. Alors, 1, 1, 2. Tac, tac. Ah non, c'est du sable. Autant pour moi, c'est du sable ici. Autant pour moi, c'est du sable. Eh ben, allons chercher du sable. Voilà. Hop, je récupérerai même plus que du sable. Ça sera pour la prochaine. Donc, du coup, ça. 1, 2, on attend que ça pousse, c'est de la mauvaise herbe. Hop, c'est une nouvelle graine. On la scanne. 2, 2, 1. Ici, c'est 2, 2. 2, 2.
Hein? On va peut-être justement les changer pour obtenir celle-là. Et du coup, celle-là, je peux la jeter ou pas. C'est comment là? C'est du... Ouais, c'est bon. Voilà. Donc ça, je peux jeter. Ça, je peux garder en stock. Et bah, du coup, ça, je peux le remettre là. Donc, ça, c'est une mauvaise herbe, évidemment. Donc, il faut bien faire attention du fait que c'est pas poussé, qu'il faut faire ce qu'il faut pour justement éviter toutes sortes de problèmes ratés. Apprends à viser. Hop. Putain, mais. Ah, les bottes. Les bottes, les bottes. Hop. On va du coup utiliser le Magical Fertigène. Fertiliseur. Tac, tac. Fertiliseur. On va prendre 5 chests. Ça suffit largement même. Oui! Même le serveur qui te recule parce que tu vas trop vite pour lui. On va le mettre là. Tac. Canne à sucre, machin. Coucher, toi. Le cerveau, je vais le prendre par contre. C'est important. La carotte, on peut la poser. Les torches aussi. La grâce, les chunks, le seau. Ça, on peut le poser. Non, mais je t'ai dit quoi, toi? Hein? Coucher. Non, mais. Ouais, bah, comme il fait nuit, c'est pour ça que ça veut pas. Fertiliseur, on va l'augmenter. Alors, lui, on va le booster. On en a encore une autre, c'est parfait. Putain, il y en a beaucoup là actuellement. C'est plutôt un bon point. Ça, du coup, je vais le faire pousser. Je vais le faire pousser. Voilà, fais pas chier toi. Fusion Ender. Du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, je vais faire pousser ce qu'il faut. Là également, là également. On a retrouvé une autre graine qu'on va regarder pour voir. C'est du 1-1-1. 1-1-1, 1-1-2. Comme c'est ce qu'il faut. Va nous falloir deux sables de plus. Le premier et le deuxième. Du fait que le premier il a un, bah autant en rajouter un pour qu'il fasse son traitement. Tac, tac, tac. Donc un, qu'on fait pousser à fond. Voilà. Comme ça, là, un et un, ça va faire deux. Du coup, lui, il sera plus content de pouvoir tout modifier. Lui, on attend que les croisements se fassent. Ici, nous avons encore une autre graine. C'est parfait. Ça va être du 2-2-4. Waouh, c'est cool ça. 2-2-4. 2-2-4. Ah, nous avons une autre 2-2-4. C'est un bon point. 2-2-4 aussi. Ça, c'est toujours du 1-1. Faudrait que je regarde pour faire un mélange de carottes pour l'augmenter, celle-là. Ça pourrait être sympa. D'ailleurs, la carotte, je l'ai toujours pas mangée. Donc, on va faire ce qu'il faut. 1, 2, 3. Ça risque de gêner. Le blé, on va la garder. Le blé, on va la garder. Je vais prendre un seau. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tac et tac. Je vais le mettre là. Voilà. Tout simplement, c'est pour faire ça, ça. Tac. Voilà. C'est juste pour augmenter le ratio de la carotte là qui fera avec le blé. Donc du coup, un ratio nettement supérieur à la canne à sucre. Nous avons également une mauvaise herbe qu'on va tout de suite enlever parce que ça évite les problèmes. Nous avons une nouvelle graine de canne à sucre dont nous vend 1-1-3. 1-1-3. 1-1-1-1. On va l'enlever celle-là. Tac. Voilà. Du coup, celle-ci, on l'avait scannée, c'est du 1-1. Le 1-1, on va le laisser dans l'eau.
Nous avons une nouvelle canne à sucre. Nous avons une nouvelle cite qui a poussé. Tac, tac. On scanne. Ça doit du 2, 2, non, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. On va enlever celle-ci pour mettre la 2, 3, 4. Voilà. On va également virer celle-ci parce qu'on a une nouvelle graine encore. Donc on va la rescanner. 2, 2, 4. 2, 2, 4. Nous avons 2, 2, 2, 4. Bah, on va les laisser. 2, 2, 4. Hein, ça ne sert absolument à rien. Pas de coucher, toi. Donc carotte, c'est pas fait. Ça non plus. Ça, c'est de la mauvaise herbe. On s'en fout. De la mauvaise herbe. On s'en fout. Tac, tac. Ah, nous avons une nouvelle seed de canne à sucre. 2, 2, 4. On va la mettre sur celle-là, tiens. Un seul. Voilà. 2, 2, 4. Donc ça, c'est de la 1, 1, 2. 1, 1, 2. On va la mettre sur celle-là. Voilà. Le blé, on va le laisser. Donc c'est de la cid, ça c'est de la 1-1, on s'en fout. Alors pourquoi je fais tout simplement ça? C'est tout simplement c'est que à force je vais justement demander de plus en plus des crafts. Donc du coup bah autant le faire bien. L'araignée dans le rouge pour ça, elle a l'air assez puissante celle-là. 2, 2, 3. 2, 2, 3, 2, 2. Va te coucher, toi. Voilà. C'est celle-là. 2, 2, 3, 2, 2, 3. La strength là, ça serait bien. Hop. Tac. Donc du coup, on l'augmente. Voilà. Celle-là, c'était de la 2, 2, 1. 2, 2, 1. Non, on va la laisser. Nous avons une nouvelle graine. Nous avons Natsu qui vient de se connecter. Nous, on va se laisser bientôt là. 3-3-2. On commence à augmenter tranquillement. 3-3-2. 3-3-2. Ouh la vache. Alors, toi. Vous avez vu, j'ai explosé. Ce son coup était assez puissant par rapport à ce que je encaissais généralement. Du coup, j'ai implosé et j'ai eu Regen 2 pendant X temps. Alors, ça commence à aller plus en plus vite, la cocotte. Donc, 3-3-2, 3-3-2, 3-3-2. Hop, on va la mettre sur celle-là. Magical Crops. Bonjour, ça, on vire. Du coup, là. Saleté, toi. Salut toi! Oh merde. Wout! Wout, wout! C'est quoi comme truc? Je vais laisser parce que j'ai pas envie de le toucher celui-là. Nope. Non, j'ai pas de pink tulip. Ouais, bah du coup, nous, on va se laisser. Je reviens. Donc, heureuse, il y a eu une petite intrusion dans ma chambre, c'est tout à fait normal. Là, je suis en train de me savonner l'esprit pour augmenter, du coup. Bah, plutôt pour réduire justement mon warp. You have lost warp. Donc, je me suis fait deux savons, autant les faire. Hop. Et du coup, nous, on va se laisser là. Moi, je continue un petit peu de mon côté. Justement, tout ce qui est ce genre de choses-là. Et du coup, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour voir un petit peu les champs en version ultra grande. Voilà, sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine.